Bonsoir à tous, euh, frères et sœurs. Soyez les bienvenus sur euh, Réveil Télévision. Et euh, ce soir, euh, nous sommes dans la continuité du partage que nous avons commencé hier, dans le thème est des fiançailles heureuses à un mariage glorieux. Donc, c'est le deuxième jour. Voilà. Euh, C'était pour donner quelques conseils partagés sur la parole et donner quelques éléments qui peuvent aider les frères et les sœurs qui sont dans des projets de mariage ou pour ceux, voilà, c'est principalement principalement pour ceux qui ont des projets de mariage mais aussi pour ceux qui sont déjà mariés. Voilà, mais la cible c'est principalement ceux qui ont des projets de mariage. Donc nous sommes en direct aussi sur YouTube pour ceux qui nous suivent. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser directement dans le chat de la chaîne et nous y répondrons. Voilà, nous avons la vue sur le chat là actuellement pendant que je parle, j'ai la vue sur le chat donc je peux éventuellement identifier les questions ou les commentaires et euh, pouvoir y répondre. Donc sans plus tarder, euh, nous allons tous prier et puis présenter ces moments entre les mains du Seigneur. Seigneur, tu es digne, tu es grand, tu es, tu es roi. Je te bénis, Seigneur, pour ces moments, pour ta grâce, pour ta fidélité. Au nom de Jésus, Seigneur, c'est toi qui triomphes de toutes choses. Et l'ennemi ne peut pas triompher, Seigneur, sur nous, parce que tu as remporté à la croix la victoire sur tout, sur la maladie, sur les souffrances sur nos, nos émotions, sur beaucoup de choses, Seigneur, sur le péché. Seigneur, merci pour cette victoire accomplie à la croix. Je prie au nom de Jésus que tu conduises ces moments. Au nom de Jésus, que tu te saisisses de ma bouche pour parler de toi, Seigneur, pour édifier tes enfants qui nous regardent aujourd'hui et qui nous regarderont, Seigneur, dans le futur. Béni sois-tu pour toutes choses. Sois élevé, sois glorifié, Père de gloire, au nom de Jésus. Amen. Voilà, donc euh, hier nous avons parlé de la traité en introduction de la phase du choix du conjoint, quels étaient les critères. Et juste pour rappeler ça, comme ça en préambule, voilà, c'est que nous disions que euh, pour chaque homme, Dieu a un plan. Il a un plan, il a des projets pour nous. Comme la Bible nous dit que Dieu a pour nous des projets de paix et de bonheur afin de nous donner un avenir et de l'espérance et dans ces plans que Dieu a pour nous il y a des plans qui sont généraux donc qui sont qui concernent tous les chrétiens notamment vivre avec lui pour l'éternité si nous marchons conformément à sa parole et que nous demeurons fermes conformément à l'espérance qu'il nous a donnée c'est la première euh, la première euh, le premier objectif et cet objectif là de cet objectif là il y a des objectifs qui sont particuliers qui concernent uniquement la vie de certaines personnes. Et donc par rapport à ces objectifs qui sont individuels, on va devoir aligner à la fois sur les objectifs individuels et les objectifs collectifs, enfin généraux, notre vie pour pouvoir justement définir des critères pour que les personnes qui vont nous accompagner, pour que la personne qui va partager la vie avec nous, que ce soit le mari ou la femme, puisse répondre à ces critères-là. Et ces critères-là qui eux-mêmes permettent de répondre à, aux exigences de la vision ou de la responsabilité ou des objectifs que Dieu nous a assignés par rapport à notre propre vie. Et les objectifs que Dieu nous assigne font partie de son plan aussi pour notre salut. C'est-à-dire que si Dieu vous appelle, par exemple, à nourrir les pauvres, à être pasteur, docteur évangéliste, chanteur, je ne sais pas, je ne peux pas tout citer, peu importe, ces choses-là contribuent au plan de notre salut, de votre salut. Et donc, plus vous allez exceller dedans, plus vous allez honorer Dieu dans ces choses, plus vous allez vous protéger, vous allez marcher dans le chemin qui vous conduira clairement et directement à la vie éternelle. Et donc, on a vu qu'une fois ces critères étaient définis, à partir de là, on pouvait savoir qu'est-ce qu'on attendait et, et savoir comment nous-mêmes, on pouvait être prêts. Ces critères étaient, étaient aussi applicables à notre vie, mais aussi à la vie des personnes, de la personne. Avec qui on voulait cheminer, voilà, pour aller loin. Et on a aussi rappelé qu'il était important de pouvoir entretenir, avant même de demander la main à la personne, euh, pour l'homme qui va demander la main à une femme ou pour la femme à qui on a peut-être demandé la main et qui n'a pas encore dit oui, qui est en phase d'observation. Il est important d'entretenir cette relation d'amitié, d'apprendre à se connaître, connaître l'environnement dans lequel vit euh, son futur enfin celui qui veut Là. demander la main ou qui va demander la main, connaître l'environnement, c'est-à-dire la famille de, de, du futur conjoint ou conjointe, euh, euh, connaître son environnement, connaître ses goûts, euh, connaître son témoignage aussi par rapport à d'où elle vient dans la vie chrétienne, qu'est-ce qu'elle a vécu, discuter aussi des sujets de la vie de tous les jours, pas seulement de la Bible, parce que grâce à ces sujets, on peut pouvoir comprendre et connaître quels sont... Euh, quelle est l'approche de la personne Comment la personne voit la vie chrétienne D'accord. Par exemple, si vous discutez, je ne sais pas, vous discutez d'un sujet sur, euh, je sais pas, euh, vous pouvez discuter d'un sujet sur l'argent et la personne va vous dire que non, moi, euh, pour moi, l'argent c'est pour se faire plaisir. Moi, l'argent, euh, on a l'argent. Moi, il faut que je me fasse plaisir parce que moi, j'ai trop souffert dans ma vie. Il faut que je me fasse plaisir. Vous savez plus ou moins dans quoi vous allez vous engager Voyez, oui, voilà. Euh, vous pouvez discuter sur la famille. Quelqu'un va dire non mais moi ma mère elle a trop souffert euh, dans, dans son mariage avec ses parents, avec sa belle-famille. Donc moi quand je serai marié moi je ne veux pas que ma belle-famille arrive à la maison. Vous mais ça c'est des sujets. C'est pas c'est pas en discutant de la Bible que vous allez forcément arriver sur ce genre de sujet C'est des sujets qui sont généraux et vous en discutez comme ça sans que ce ne soit un interrogatoire et ça vous permet de savoir le fond de la personne de pouvoir prier sur la base de quelque chose que vous avez identifié. Vous voyez, dès lors que vous avez ça, vous savez exactement où vous allez, et à partir de là, vous pouvez savoir soit vous demander la main, ou vous vous répliez totalement en fonction de ce que le Seigneur aussi va vous dire. Et ces éléments aussi vont vous permettre de pouvoir conforter votre ce que vous avez reçu du Seigneur, puisque nous tous, autant que nous sommes, nous pensons déjà avoir reçu au moins une fois quelque chose du Seigneur et nous avons réalisé que nous nous étions trompés. Et donc si notre cœur nous a déjà trompé une fois, il est fort probable que après avoir pensé avoir reçu quelque chose de la part du Seigneur, qu'on se soit trompé. Et donc pour éviter de se tromper, ben on essaie de mettre en place pas des techniques, c'est pas des techniques, mais c'est la sagesse, ce sont des choses qui sont nécessaires à faire pour pouvoir éviter justement de tomber dans les pièges de l'ennemi. L'autre chose qu'on a aussi dit, c'est que euh, beaucoup de chrétiens disent, mais moi je vais épouser cet homme ou cette femme parce que j'aime Jésus qui est en elle. Et nous rappelons, je rappelais à l'émission que euh, on épouse quelqu'un, mais on n'a pas toujours la garantie que cette personne qui craint le Seigneur au moment où on se rencontre, au moment où on se marie, va demeurer chrétienne jusqu'à la fin de sa vie. Donc il faut s'assurer d'épouser quelqu'un parce que la personne est d'abord chrétienne, parce que vous avez l'assurance que Dieu vous veut. Ensemble, et cette assurance aussi va être confortée par les choses que Dieu va vous permettre de voir au travers des rencontres, des discussions, des, des restaurants que vous pouvez faire ensemble, des discussions que vous pouvez avoir ensemble, des temps de prière que vous pouvez avoir ensemble, de plusieurs autres éléments. Le Seigneur va permettre, va mettre des éléments, des signes pour vous conforter. Vous voyez Mais en dehors de ça, clairement, il faut se dire ben, on doit épouser quelqu'un qu'on aime et qu'on est prêt à aimer, même si cette personne devient païenne. Voilà, parce que ce sont des choses qui arrivent si on ne veille pas, si l'un des conjoints ne veille pas sur l'autre, parce que vous devez veiller, vous devez veiller mutuellement l'un sur l'autre. Si vous ne veillez pas l'un sur l'autre, ce sont des choses qui peuvent arriver. Parce qu'en général, quand un conjoint finisse, euh, finit par tomber dans le mariage, il y a eu des signaux qui étaient là et que l'autre n'a pas forcément n'a pas forcément lequel forcément l'autre conjoint n'a pas fait attention. Si l'autre conjoint fait attention, normalement, il est censé identifier que son mari ou sa femme, il y a des choses qui ne vont pas. Voilà. Et donc, c'est un peu de ces choses-là que nous allons, nous, allons, nous allons pouvoir parler. Voilà. Donc, c'était ça la base. Et puis, après, on disait que ben, ces bases-là qui ont été posées dès les, dès les, avant la période des fiançailles, hein, et j'expliquais hier que des fiançailles. Ça dépend, voilà. sachant qu'on a plusieurs, euh, euh, plusieurs façons d'enseigner, la doctrine est la même, du moins pour ceux qui veulent rester sur la doctrine des Christ, la doctrine est la même, mais après le langage humain est divers et varié. Donc d'autres vont dire je me suis accordé, d'autres vont dire je me suis fiancé, d'autres vont dire, on, je ne sais pas, les langages sont différents. Voilà. Là je ne parle pas des fiançailles euh, officielles qu'il y a eu avec les parents, donc qui est pour moi une étape avant le mariage, ou parfois même certains ne se fiancent même pas officiellement, c'est-à-dire avec les familles, ça se fait le jour du mariage familial, un mariage traditionnel. Voilà. Si vous voulez bien, d'autres appellent ça la dot, chacun appelle ça comme il veut. Moi, j'appelle ça le mariage traditionnel, le mariage familial, voilà. Et donc, euh, pendant ce mariage là, il y a les fiançailles ou d'autres le font avant. Il y a un événement, les parents se rencontrent. Il y a des présents qui sont donnés. D'autres ne donnent pas des présents. Voilà, je ne veux pas, je ne m'arrête pas sur ces détails. Je parle des choses qui sont essentielles à, à justement à la gestion du projet du mariage. Donc, ces bases qui ont été posées doivent être entretenues, même quand on s'est accordé ou qu'on s'est fiancé. Et ce sont ces bases-là qui sont jetées, qui sont posées, qui vont permettre justement de rentrer dans un mariage glorieux, dans un mariage glorieux. Voilà. C'est quoi un mariage glorieux Ben, un mariage glorieux, ce n'est pas un mariage là où il n'y a pas de difficultés. C'est ça la définition déjà. Enfin, c'est pas ça la définition, mais on va commencer par dire ce que ce n'est pas, pour qu'on puisse comprendre. Un mariage glorieux selon le Seigneur. C'est un mariage où il y a des difficultés, mais ces difficultés-là sont traversées parce que chacun des conjoints euh, euh, répond à l'appel du Seigneur par rapport aux exigences des Écritures. Et comme les exigences des Écritures sont remplies par chacun des conjoints dans sa vie et que des bases ont été posées dès le départ, et on vit un mariage glorieux. Et nous allons donner des conseils et nous allons aussi donner des, expliquer quelques pièges qui font en sorte que parfois beaucoup de mariages ne réussissent pas. Ils sont parfois beaucoup plus des prisons pour des personnes, des moments de malheur, des moments où les gens ne sont pas heureux, où vous voyez des personnes avant le mariage être épanouies et après le mariage, vous les voyez complètement sombrer, s'assombrir, ne plus être joyeux. Ça, ça ne dépend pas de la quantité d'argent, ça ne dépend pas de la qualité de la maison dans laquelle on habite, ça dépend d'abord du bonheur qu'on qu partage dans un couple, et ça, c'est essentiel. Voilà, donc voilà en résumé que, ce qui a été partagé hier. Voilà, et donc, c'est quoi un mariage glorieux Je l'ai expliqué, un mariage glorieux, c'est un mariage où il peut avoir des difficultés. Pas peu peut, où il y aura des difficultés. Ces difficultés peuvent être d'ordre financier, peuvent être d'ordre spirituel, peuvent être d'ordre matériel, familial et tout le reste. Mais là où euh, la parole de Dieu va être au centre, où on va avoir un frère et une sœur qui vont vivre chacun leur vie chrétienne dans un couple. Et là où le Seigneur va être glorifié, c'est ça un mariage glorieux. C'est-à-dire quand on dit glorieux, ça veut dire que la gloire de Dieu et la gloire de Dieu, c'est quoi Ben, c'est de faire sa volonté, c'est d'honorer son nom, c'est de respecter sa parole, c'est de faire en sorte que la puissance de l'Esprit Saint soit manifeste, non par des miracles. Non par des délivrances, pas des guérisons, ce qui est bien justement nous le voulons, mais d'abord parce que les personnes dans le couple vont se mettre à honorer la parole de Dieu. Donc on, a fait, on, on explique que ce mariage là, ce n'est pas un mariage où il n'y a pas les problèmes. C'est un mariage où il peut avoir des problèmes, où il y aura des problèmes, où il y aura des difficultés, mais ce sera la parole de Dieu qui sera au centre. Et donc vous comprenez que quand on dit ça, on comprend que ben on épouse quelqu'un parce qu'il y a Jésus dans sa vie mais qui peut avoir des éléments, des choses qui peuvent arriver, des événements qui peuvent arriver dans un couple, qui peut faire en sorte que l'un des conjoints se refroidisse, n'ait plus envie de prier, n'ait plus envie de méditer, n'ait plus envie d'aller à, à, aux réunions de prière, n'ait plus envie de voir même les frères à la maison, les sœurs à la maison. Plus du tout, n'ait plus envie d'avoir de contact avec les choses du Seigneur. Ça peut arriver. Alléluia. Ça peut arriver. Donc, quand on a dit ça, on va repartir. Euh, avant de lire quelques, quelques versets bibliques. Euh, euh, donc une fois on a compris ça, qu'un euh, mariage glorieux, ce n'est pas un mariage où on va se dire non, je rentre dans le mariage, il n'y aura pas de problème, tout sera rose. Une fois on a dit ça, euh, il faut comprendre maintenant euh, comment les problèmes-là peuvent arriver. Il faut comprendre comment on fait pour les gérer. Et il faut comprendre... Quelles sont aussi les sources Qu'est-ce qu'on peut tirer justement de notre période de fiançailles pour justement permettre à notre couple de survivre, au couple de survivre malgré les difficultés qui vont apparaître, d'accord Et vous allez vous rendre compte que les choses que vous avez bâties hier, pendant que vous étiez fiancé ou accordé, comme vous le voulez, et quand vous avez commencé dans votre mariage et en continuant avec ces choses. Ces bases-là vont vous permettre justement de tenir. Pourquoi Parce que ces bases-là, alors, euh, 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 la Bible nous dit, nous parle dans... Alors, je, je vais essayer de retrouver rapidement ce passage. Euh, alors, on est dans le livre, je crois, de Matthieu. Je crois que c'est le chapitre 10. Alors, j'essaie de retrouver rapidement ce passage. Si ce n'est pas le cas, ben... Alors, je retrouve le passage. Alors, on est dans euh, Matthieu chapitre 7. Matthieu chapitre 7, euh, la Bible nous dit à partir du verset 24, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que j'ai dit et les met en pratique, c'est rassemblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique, c'est semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Le roc ici, nous savons, c'est le rocher, le rocher, la pierre angulaire, Christ, d'accord. Mais souvent, en tant que chrétien, on a souvent une mauvaise compréhension de Christ. Nous ne voyons que Christ au travers, nous ne voyons Christ qu'au travers des versets bibliques. Non, Christ, Jésus va dire les paroles que je vous donne. Mes paroles sont esprit et vie. Elles sont esprit et vie. Donc la parole de Dieu, elle est esprit et vie, et la parole de Dieu, vous pouvez la contempler même dans la nature. Vous voyez Et c'est ce que la Bible nous dit dans Romains au chapitre. Alors on va le lire. Pour, pour, après on reviendra sur. Hein, Romain, la Bible, la Bible nous enseigne dans le livre de Romains. Hein, hein, À partir du verset, Romains chapitre 1, à partir du verset 18, il est écrit La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil. Depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables. Donc on comprend que même en regardant la nature, en regardant la création, la puissance de Dieu, la parole de Dieu est révélée même par la création. Même par la création, en observant la création, vous voyez clairement la grandeur de Dieu. Quand vous regardez les lacs, vous regardez les forêts, vous regardez les animaux, les insectes, vous regardez l'homme, comment il est constitué. Vous voyez clairement la puissance et la grandeur de Dieu. Donc, nous les chrétiens, souvent l'une des erreurs qu'on fait, c'est que on, 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 veut, on veut trouver Christ que, dans, que par les versets bibliques. Les versets bibliques, la Bible, nous permet de pouvoir justement savoir, avoir des bornes, savoir si ce que nous regardons, nous observons dans la nature est conforme à la pensée divine. D'accord? Et elle est, elle est le canon que Dieu nous a donné comme étant le guide, comme étant le manuel pour nous amener à Christ. Mais aussi au travers de l'observation dans la nature, on apprend énormément de choses. Donc, les principes de Dieu ne sont pas seulement dans les versets bibliques. D'accord Ça dit que tout ce qu'on dit n'est pas forcément, on peut pas avoir un verset où c'est écrit noir sur blanc pour pouvoir dire la chose. Mais il y a l'esprit des Écritures. Vous voyez, il y a vraiment l'esprit des Écritures. Donc, dans un couple chrétien, d'accord, comme on a vu dans le livre dans le livre, euh, dans le livre de, 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 de Matthieu chapitre 7 là, Matthieu chapitre chapitre 7, on a vu effectivement que euh, 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 le couple doit être basé sur le roc, doit être fondé sur le roc. Et ce roc là, on comprend bien que c'est la parole de Dieu. Et cette parole, elle est manifeste au travers des fruits que nous avons dans nos vies. Et donc, ces fruits là, ces enseignements que nous recevons nous amènent à porter des fruits. Et ces fruits-là sont manifestes parce que ça nous amène à poser des actes. Et ces actes, ce sont les actes qu'on peut poser quand on est justement la période avant la rencontre, avant la demande à mariage, la période d'observation et la période de fiançailles. Et après, on rentre dans la période de mariage, où on a honoré, on a fait le mariage avec la famille, la famille nous a bénis, on a vu les autorités et tout le reste. Et ensuite, on rentre dans le mariage. Vous voyez Donc, il faut que le couple soit basé sur le roc. Et pour que le couple soit basé sur le roc, il faut déjà revenir sur les éléments qu'on a cités. Maintenant, comment se déclinent encore ces éléments-là Alors, on va essayer de voir, de citer quelques éléments. On va prendre nos Bibles dans euh, Matthieu chapitre, euh, Ephésiens chapitre 5. Ephésiens chapitre 5. On lira à partir du verset euh, 20. Alors, il est écrit, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Donc là, la Bible nous parle justement de cette soumission qu'on doit avoir les uns les autres en tant que frères dans la foi. Donc, on comprend déjà d'abord que deux personnes qui se marient, c'est d'abord deux frères. Et en tant que deux frères, ils ont une obligation de soumission l'un à l'autre. C'est le premier principe. C'est le premier principe. Et ça veut dire que si on n'est pas capable de se soumettre l'un à l'autre, et quand on dit se soumettre l'un à l'autre, c'est se soumettre par rapport à la parole. C'est-à-dire, dans ce que la parole de Dieu dit, on doit être capable de se soumettre l'un à l'autre. Si on n'est pas capable de se soumettre l'un à l'autre, ça ne sert à rien de se mettre ensemble. Ce n'est pas possible. Ça ne sert à rien parce que le mari doit pouvoir se soumettre à sa femme parce que ce que sa femme lui a dit est conforme à la parole de Dieu et la femme doit pouvoir se soumettre à son mari parce que ce que le mari lui a dit est conforme à la parole de Dieu. Vous voyez Donc comme la Bible dit enfants, soumettez-vous à vos parents selon le Seigneur. En fait, ça s'applique aussi aux frères et aux sœurs. C'est-à-dire en nous soumettant les uns aux autres, on se soumet à la parole. Donc ça c'est la base. Et maintenant Paul va plus loin maintenant, il applique au couple. Et on va voir comment ça se passe et on va le décliner en action pratique. Parce que vous savez, souvent quand on lit les Écritures, pratiquement, parfois des gens n'ont pas l'occasion de comprendre. Donc, on va essayer de rattacher ces versets bibliques qu'on va lire dans l'Éphésiens 5 à quelques, quelques éléments pratiques. Alors, Paul dit Femmes, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église. Qui est son corps et dont il est le sauveur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Alors là, les maris vont se rejouer pour dire Tu as vu ma femme hein? Le frère a dit qu'il faut te soumettre parce que je suis ton chef. Mais on va voir plus loin comment le chef doit se comporter et comment Christ s'est comporté avec l'Église. Pour que le mari, qui se dit chef, qui est chef, il ne se dit pas chef, qui est. Euh, euh, chef, selon les Écritures, quelle doit être son attitude avec sa femme? Au verset euh, 24, il est écrit Hors de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent être à leur mari en toutes choses. En toutes choses. Les femmes doivent être soumises, soumises à leur mari en toutes choses. En toutes choses, mais c'est aussi selon les Écritures, hein, parce qu'une femme ne va pas être soumise à son mari qui lui demande. D'aller, le mari abandonner la foi, il veut faire des choses qui sont bizarres et que la femme se soumette. Non, ça n'a rien à voir avec ça. Quand on dit en toutes choses, il faut que ce soit aussi conforme à la pensée de Dieu et que ça n'amène pas la femme à perdre son salut. Si ce n'est pas de nature à faire perdre son salut, la femme doit se soumettre à son mari. Donc, voilà les bases pour la femme. Et regardez pour l'homme, on est au verset 25 Marie, aimez vos femmes. Donc, c'est un commandement de Dieu. Et comme c'est un commandement de Dieu, l'homme qui aime le Seigneur doit se soumettre à ça. Et donc, quand sa femme va lui dire Mes chérie, tu manques d'amour envers moi et que sa femme lui donne des éléments qui prouvent par lesquels elle va justifier à son mari qu'il manque d'amour, qu'il manque d'attention, qu'il manque de patience, ce mari qui aime sa femme et qui aime le Seigneur va faire attention et va devoir trouver des solutions par rapport à ce que sa femme lui reproche parce qu'il veut se soumettre à sa femme et parce qu'il veut se soumettre à Christ. Il dit Marie aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la Parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de la faire, de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre chair. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair mais il la nourrit et en prend soin comme le Christ le fait pour l'Église. Donc voilà des bases qui sont posées. Alors avant que je n'explique, on va prendre un autre passage dans 1 Pierre. 1 Pierre chapitre 3. Alors nous lirons... À partir du premier verset. Je lis Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent pas à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes, en voyant votre manière de vivre chaste et réservée, et non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, ce qui est qu d'un grand prix devant Dieu. Ainsi se paraît autrement les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari, comme Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est d'elles que vous êtes devenues les filles, en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe faible. Honorez-les, comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que, rien ne fa... afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Donc quand on a dit ça, pour beaucoup, ça peut être compliqué. On va essayer maintenant de simplifier ça davantage pour que les gens puissent comprendre. Parce que c'est pourquoi... Le Seigneur nous a permis d'enseigner, c'est pour pouvoir expliquer les Écritures, pour que les frères et sœurs puissent mettre en pratique. Ça ne veut pas dire que les Écritures ne sont pas complètes, ce n'est pas ça. Ça veut simplement dire qu'on va pouvoir expliquer la parole de Dieu pour qu'elle soit un peu plus pratique pour tout le monde. C'est pourquoi Dieu a donné des enseignants dans l'Église. Alléluia. Donc, comment faire pour que la femme soit soumise Comment faire pour que l'homme puisse aimer sa femme Pour que le mariage soit glorieux. C'est ça. Premièrement, il faut développer un climat, une atmosphère d'amitié. C'est important. C'est vraiment important. Il faut développer une atmosphère d'amitié. Trop de chrétiens n'ont pas d'amitié dans leur foyer. Trop de couples chrétiens n'ont pas d'amitié dans leur foyer. Il n'y en a pas. Il n'y a pas d'amitié dans leur foyer. Et de plus en plus, on remarque des dégâts parce que, par exemple, il y a beaucoup de chrétiens, des hommes, qui font... Qui utilisent mal ce passage d'un Corinthien, euh, Corinthien, 7 sur le mariage, hein, qui dit que le corps de la femme ne lui appartient plus, il appartient à son mari, et inversement pour la femme, le corps de la femme, de lui marine n'appartient plus à la femme. Et c'est aussi valable, il y a aussi des femmes qui utilisent très mal ce verset, d'accord Et on utilise maintenant le conjoint comme étant un objet sexuel. Parce qu'il n'y a pas une relation d'amitié, c'est autre chose, c'est-à-dire le couple bascule d'une relation d'amitié à une relation qui est purement et uniquement sexuelle. Et ça, c'est quelque chose qui détruit énormément les couples. Il faut bâtir une relation d'amitié. Pourquoi Parce que quand viendront les vents, comme on l'a lu dans Matthieu chapitre 7, quand viendront les tempêtes, quand viendront les tribulations, vous n'allez pas pouvoir tenir si votre relation n'est pas basée d'abord sur une relation d'amitié. Moi, je connais, j'ai connu, euh, connu euh, l'histoire d'un couple. Euh, la femme était malade, gravement malade, et euh, comme elle était malade, mais elle ne pouvait plus être dans l'intimité avec son mari. Vous voyez Et comme il ne pouvait plus être dans l'intimité avec le mari, il y a des tensions qui sont nées dans le foyer. Il y a des tensions qui sont nées. Et le mari ne prenait même plus soin de la femme. Pourquoi mais parce qu'il y a des choses qui ont. En fait, les, les bases, les fondements n'étaient pas corrects, n'ont pas, pas été bien posés. Vous voyez Et comme parfois certains couples reposent que sur l'intimité sexuelle, mais dès lors que ça là s'est brisé, il y a un problème. Vous voyez Il y a un problème. Donc, il faut premièrement développer une relation d'amitié. Pourquoi une relation d'amitié aussi Parce que. Grâce à la relation d'amitié, on va pouvoir se partager ce qu'on a dans le cœur. Ça veut dire qu'on va pouvoir échanger sur nos faiblesses, on va pouvoir échanger sur nos blessures, on va pouvoir échanger sur plusieurs choses, sans qu'on ne se sente en train de se juger. Et ça, ça va déclencher derrière la vie de prière. Ça va déclencher la vie d'intimité auprès du Seigneur, pouvoir déclencher l'intercession du couple. Mais pour ça, il faut déclencher d'abord la relation d'amitié. Parce qu'il faut que l'un et l'autre puissent se sentir libres de pouvoir exprimer à l'autre ses faiblesses, ses blessures, ses les choses qu'il vit à l'extérieur sans se sentir jugé. C'est important. Donc pour vivre un mariage où il y a la gloire de Dieu, c'est ça. Il faudrait par exemple que si le mari, c'est quelqu'un qui facilement peut sentir son cœur se porter vers une femme, une autre femme à l'extérieur, il faudrait qu'il se, se sente écouté par sa femme qui peut lui dire à qui il peut dire chérie, je n'ai pas envie d'aller tomber, ce n'est pas mon intention mais je tiens quand même à te partager ça pour qu'on puisse prier et que la femme le reçoive normalement et que ça devienne normal et qu'elle console son mari, qu'elle encourage son mari et qu'ils prient ensemble. S'il n'y a pas cette relation d'amitié là pour pouvoir échanger ça va être compliqué ça va être véritablement compliqué. Pourquoi Parce que si le mari se met dans la position du chef dominateur, de celui qui est super spirituel plus que sa femme, le jour où il va avoir des faiblesses, il n'aura jamais le courage de venir les partager à sa femme. Pourquoi Mais Parce qu'il est chef. Et en tant que chef, il ne peut pas partager ses faiblesses. Si c'est un chef dominateur, un chef dominateur selon le monde ne peut pas partager ses faiblesses. Il ne peut pas partager ses peurs. Il ne peut pas partager ses craintes. Il ne peut pas partager ses doutes. Vous voyez, à ces sujets, parce que son pouvoir se verra justement diminué. Alors, je regarde un peu dans le chat si on a des commentaires. Alors, deux frères qui se marient, un frère et une sœur en Christ. Euh, oui, c'est ça, quand on parle de frères, oui, c'est-à-dire, voilà, parfois on dit, euh, donc il n'est pas question ici du mariage euh, homosexuel. Hein. Clairement, la Bible est contre l'homosexualité, donc on ne parle pas de ça, on parle d'un homme et une femme qui se marient. Donc, comprenez-moi, quand je dis euh, deux frères, c'est pour dire un frère et une sœur, en fait. Mais bon, euh, c'est ça. Donc, euh, pour revenir, il faut développer une relation d'amitié. C'est véritablement important, développer une relation d'amitié dans le couple, pour pouvoir échanger. Ouais. Mais si vous n'avez pas eu l'habitude d'échanger quand vous étiez fiancé, quand vous n'étiez pas marié, vous n'avez pas l'habitude de rigoler. La seule chose que vous saviez faire, c'était simplement jeûner et prier. Et que le mari était simplement, le, le, le fiancé, c'était celui qui passait le temps à réprimander la sœur pour dire que lui, c'est lui qui est spirituel. Et la sœur c'est sent comme, bon, je suis avec un homme qui est tellement spirituel. Vous allez finir par ouvrir une brèche. Le jour il y aura un problème, le mari, là, il aura du mal à venir voir sa femme pour exposer ses faiblesses, pour exposer combien de fois son cœur est en train de basculer. Parce qu'il s'est présenté comme un homme super spirituel. Donc ça, c'est une erreur à éviter. Vivre un mariage glorieux, c'est développer une relation d'amitié. Et je disais que cette relation d'amitié, dans la confiance, dans la discussion, dans l'échange, va déclencher l'intercession, la prière, qui est un deuxième élément fondamental. Ça veut dire que pour qu'un mariage soit glorieux, il faut pouvoir partager des temps de prière. Et ça aussi, ça ne se cultive pas le jour où on vit dans la même maison. Ça se cultive même quand on est déjà fiancé, même avant les fiançailles, ça se cultive. On prie ensemble, on échange ensemble, on peut partager des versets bibliques ensemble, on discute sur des versets bibliques, on essaie de voir ce que chacun a reçu de la part du Seigneur, comment chacun comprend les choses par rapport à la parole. Même si c'est cinq minutes, dix minutes, c'est essentiel. C'est vraiment essentiel. Ce sont les bases d'un couple. Vous voyez, c'est vraiment les bases d'un couple. Pouvoir échanger, pouvoir partager. S'il y a pas ça, demain ça peut être des brèches, que, des faiblesses que l'ennemi peut utiliser pour atteindre, pour atteindre un couple chrétien. Parce qu'il y a des bases qui n'auront pas été posées. Alléluia. C'est véritablement important ce que je vous dis là. Donc l'amitié. Le partage, et ensuite, derrière, il y a la prière. Il y a la prière. Parce que pour prier sincèrement avec quelqu'un, il faut quand même avoir une relation de confiance qui est là, qui s'installe. Vous voyez, là, on peut partager véritablement ses véritables secrets et prier ensemble, à genoux, devant le Seigneur, implorer la grâce du Seigneur. C'est vraiment important. C'est vraiment, vraiment important. Alors l'autre chose qu'il faut développer en dehors de la prière, de l'amitié, de la prière, qui est véritablement important, c'est aussi la méditation de la parole, le partage de la parole, comme je l'ai dit. Il faut pouvoir partager la parole ensemble. C'est important. Vous devez avoir des temps de partage, c'est important. Vous devez partager. Même si c'est cinq minutes, partagez, dix minutes partagez. Si vous pouvez partager dix heures, partagez. Partager. Derrière ça, après ça, il y a aussi l'autre chose il, y a, il faut pouvoir partager euh, la gestion financière dans le foyer. C'est important. Il faudrait que chacun se sente impliqué dans la gestion des finances du foyer. C'est important. Pourquoi Parce que beaucoup de couples, quand vous regardez aujourd'hui beaucoup de problèmes dans des couples chrétiens, ce ne sont parfois pas des problèmes qui sont liés à à l'adultère ou euh, je veux dire à l'adultère à des problèmes d'infidélité il y a ça mais moi les cas je parle de moi les cas que j'ai rencontrés le plus souvent même quand il y a eu infidélité c'est souvent d'abord venu des incompréhensions c'est pas souvent d'abord venu du manque d'amour c'est venu des incompréhensions et donc ce qui se passe c'est quoi c'est qu'il faut partager la responsabilité financière dans le couple c'est à dire même si la femme ne travaille pas il faut que chacun des conjoints se sente impliqué dans la gestion des finances. Mais pour ça, il faut l'amitié. Comme on l'a dit, quand vous vous êtes rencontrés, vous aviez des projets, donc une vision, des objectifs. Et ces objectifs-là, vous devez les entretenir au quotidien pour vous rappeler les objectifs que vous avez. Pourquoi Parce que la Bible nous dit qu'un peuple sans vision est un peuple sans frein. Beaucoup de maris chrétiens se plaignent que leurs femmes dépensent beaucoup d'argent que leurs femmes ne les accompagnent pas dans les projets. Mais pourquoi Quelle était la vision que vous aviez au départ C'était quoi la vision Quelles étaient les bases que vous étiez fixées dès le départ Est-ce que vous entretenez toujours la vision que le Seigneur vous a donnée Est-ce que vous vous asseyez pour faire le point et vous assurer que, à cette date-là, vous êtes toujours en train de suivre la vision que le Seigneur vous a donnée Oui, c'est important parce qu'on se perd facilement dans le couple. On se marie, on fait des enfants, on, en, on élève les enfants, euh, on, on s'occupe des enfants, et puis on oublie ce pourquoi Dieu nous a mis ensemble. On a rappelé dans euh, 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 Genèse chapitre 2 au verset 15 que Dieu va mettre l'homme dans le jardin pour le cultiver et pour le garder, pour le garder. Et Dieu va mettre la femme à côté de l'homme pour remplir cet objectif-là. Donc, le mariage, ce n'est pas simplement qu'on se met ensemble pour le sexe. Ce que beaucoup de chrétiens confondent, on ne se marie pas d'abord ensemble pour le sexe, même si la Bible nous dit qu'il vaut mieux se marier que de brûler. Mais ce n'est pas d'abord pour ça qu'on se marie. On se marie d'abord parce qu'on a besoin de quelqu'un pour nous accompagner dans la réussite des projets. Si c'est que pour le sexe, c'est raté. C'est raté. C'est vraiment raté. Donc, il faut que chacun se sente impliqué dans la gestion financière. Et vous allez vous rendre compte, pour qu'une gestion financière soit efficace dans un couple, il faut qu'il y ait une vision. Il faut qu'il y ait une vision, et la vision ne naît pas après le mariage. La vision, elle naît avant le mariage. Elle a été partagée et acceptée par chacun des conjoints, avec les, le prix à payer qui est associé à cette vision. Ça veut dire que si tu acceptes en tant que femme d'épouser un homme qui dit que Dieu l'appelle à aller dans les missions, dans les nations, et qui ne sera pas toujours à la maison, tu comprends que tu vas devoir parfois te retrouver en train de faire les courses seul avec les enfants. C'est-à-dire que tu as calculé la dépense. Et donc, cet homme-là qui va se retrouver en train de faire les missions, ben, il va comprendre que ben, c'est la femme qui va gérer la carte bancaire, par exemple. Et donc, si la femme n'est pas impliquée dans la gestion des finances et qu'elle n'a pas une éducation financière, ben, que tu vas lui laisser la carte bancaire, ben, ça peut causer des dégâts. Au retour de la mission, ça peut être des problèmes dans le foyer. Vous voyez, donc, c'est pourquoi il y a des couples qui ont des problèmes, simplement parce qu'il y a des bases qui n'ont pas été posées à l'origine. Ou parce que la vision n'a pas été claire. Ou parce qu'on a perdu la vision dans le couple. Et on s'est détourné pour s'occuper des choses qui sont secondaires. Pas qui ne sont pas nécessaires, mais qui sont secondaires. Parce que les priorités, il faut les classer par ordre. Alléluia. C'est vraiment important. Donc il y a la vision qu'il faut entretenir. Il faut partager justement la responsabilité financière dans le couple. Et cette responsabilité financière-là, pour les couples, là où le mari et la femme travaillent, il faut mutualiser les fonds. Mutualiser, ça veut dire quoi? Mettre l'argent ensemble, faire un budget, donner à madame ce qui revient à madame, monsieur prend ce qui lui revient, et puis ce qui est affecté pour les différentes charges de la maison, et ce qui est affecté pour l'économie, ce qui est affecté pour l'œuvre du Seigneur, ce qui est affecté pour aider la famille. Et ça doit se faire ensemble. Ensemble. Ça doit se faire ensemble. Un mari chrétien, une femme chrétienne ne doit pas cacher son bulletin de salaire à son mari. Ça, ce n'est pas un couple glorieux. Ce n'est pas un couple glorieux. Une femme, un mari qui cache son bulletin de salaire à sa femme, sachez déjà que vous avez déjà un secret que vous entretenez à l'ennemi. Pourquoi si un homme dit qu'il cache son bulletin à sa femme, parce que ce n'est pas une bonne gestionnaire, c'est qu'il y a déjà un problème dans le couple. Il faut le régler. Il faut s'asseoir. Il faut en parler, il faut discuter, demander des conseils et prier. Mais vous voyez que pour discuter de ça, il faut avoir une relation d'amitié. Il faut avoir une relation d'amitié pour pouvoir en discuter franchement comme des vrais amis, comme un vrai couple, comme des vrais frères et sœurs pour échanger sur ce, sur ce problème. C'est essentiel. Alors l'autre chose qui est essentielle aussi, c'est le partage des tâches à la maison. Je sais que ça ça n'arrange pas forcément les frères. Mais il y a des tâches qui doivent être partagées. Maintenant, si vous avez des moyens et que vous avez du personnel à la maison, vous avez un cuisinier, vous avez une nounou, vous avez une ménagère, une dame de ménage et que tout est fait quand vous rentrez le soir du travail, ben que du bonheur, tant mieux. Vous voyez? Mais ça, vous, vous êtes accordé parce que vous avez les finances, vous avez les moyens, vous avez dans votre objectif, dans vos objectifs, vous savez que les moyens que vous mettez à disposition pour payer ce personnel de maison-là euh, ne va pas entraver dans la vision que le Seigneur vous a donnée. Vous voyez, ça c'est vraiment essentiel. Ce sont des bases. Quand vous entretenez ces choses-là, vous allez vivre un mariage tranquille. Tranquille. Un mariage tranquille. Il y aura les problèmes. Il y aura des difficultés, mais ce sera un mariage où chaque problème qui sera rencontré sera géré grâce à ces piliers-là que nous sommes en train d'énoncer. C'est vraiment important. C'est vraiment important. Autre chose qu'il faut entretenir, il faut entretenir l'amour. Il faut entretenir cette flamme-là. Comment on l'entretient ben, il, euh, il faut pouvoir mettre en avant les qualités de son conjoint plutôt que les défauts. Quelles sont les qualités de ton mari Quelles sont les qualités de ta femme Quelles sont les qualités de ton fiancé Quelles sont les qualités de ta fiancée Parce que c'est pour ces qualités d'abord que tu l'as épousé. Maintenant évidemment, il y a des défauts qui, qui sont parfois tellement grands qui gomment les qualités. Mais c'est d'abord pour les qualités qu'on a épousé quelqu'un. Donc quelles sont les qualités que la personne a il faut les rélever, il faut encourager la personne, il faut reconnaître cela. Vous voyez Et vous allez vous rendre compte que le Seigneur nous a créés à son image et à sa ressemblance. Et qu'est-ce que le Seigneur veut Il veut qu'on lui rende gloire, il veut qu'on soit reconnaissant, il veut qu'on lui dise les bienfaits, qu'on reconnaisse les bienfaits qu'il a fait pour nous. Mais cette nature divine-là, elle est en nous. Vous voyez Quand on ne nous a pas dit merci par rapport à quelque chose, on se sent. Même si on dit, bon, je l'ai fait pour le Seigneur, vous voyez, mais humainement, on se sent quand même que, ah, comment quelqu'un peut manquer de reconnaissance à ce point Pourquoi Parce que Dieu nous a créés ainsi. Nous avons besoin aussi qu'on reconnaisse ce que nous faisons. Vous voyez Même si la Bible nous dit que non, on ne le fait pas pour notre gloire, on le fait pour la gloire du Seigneur. Mais on veut aussi que la personne qu'on fait, à qui on fait le bien, par exemple, soit reconnaissante envers le seigneur, ça dit quand il est reconnaissant envers moi, il est reconnaissant envers le seigneur. Oui, parce que si on dit que bon, on n'est pas reconnaissant parce que la personne a fait pour le seigneur, mais celui qui manque de reconnaissance là, il passe à côté de la parole de dieu. Oui, donc, en étant reconnaissant auprès de quelqu'un qui vous fait du bien, notamment par exemple votre mari et votre femme, vous êtes reconnaissant envers le seigneur, ça dire que vous bénissez le seigneur pour la personne qu'il vous a donnée. pour le mari qu'il vous a donné, pour la femme qu'il vous a donnée, pour les qualités que cette personne a au-delà des défauts. Et donc ça, ça permet d'entretenir l'amour dans le couple. C'est important. C'est important. Et aussi pour les couples qui ont les enfants, se souvenir que ben avant les enfants, on était d'abord un couple. Après les enfants, on reste un couple. Alléluia. C'est vraiment important. Donc il faut entretenir ces choses-là, c'est ce qui permet de vivre un mariage glorieux. Un mariage glorieux. Et la gloire de Dieu, là où le couple est heureux, épanoui et vit selon la parole de Dieu. Et vous allez voir qu'il y a des couples, quand vous les voyez, vous sentez qu'il y a la joie, vous sentez qu'il y a le bonheur. Ce n'est pas l'argent, il y a la joie, vous sentez qu'ils qu sont épanouis, il y a une complicité. Un couple, dans un couple, il doit avoir la complicité. C'est-à-dire, même quand vous êtes à table, le mari est à l'autre coin de la table, vous êtes invité quelque part, la femme est à l'autre coin. Quand vous vous regardez, vous communiquez. Vous pouvez parler par le regard, vous pouvez vous échanger des paroles par le regard, vous pouvez vous échanger, vous pouvez communiquer par le regard. Et les gens qui sont autour de vous ne savent pas que vous êtes en train de communiquer. La femme peut réussir à dire à son mari, non, on ne fais pas ça. Le mari peut dire à la femme, ne fais pas ça. Et le mari capte le message, la femme capte le message, parce qu'il y a une relation d'amitié. Alléluia. C'est vraiment, vraiment important. L'autre chose qui est importante, c'est que chacun doit rester à sa place dans le couple. La femme doit être la femme et le mari doit être le mari, donc conformément à la parole de Dieu. C'est important. La femme doit être la femme, le mari doit être le mari. Le mari est le chef, la femme, ben, elle a un chef. Voilà, simplement. Le mari-christ est le chef de l'homme, l'homme est le chef de la femme. C'est clair, dans les Écritures, c'est dit, c'est comme ça. Ça, on ne discute pas, c'est comme ça. Et que chacun connaisse sa place. Si chacun connaît sa place, chacun va jouer son rôle pleinement sans chercher à prendre la place de l'un ou de l'autre. C'est comme ça qu'un couple est glorieux. Voilà. Donc, il faut entretenir l'amour, rester à sa place. Donc, on va récapituler. Il faut avoir une relation d'amitié. Cette relation d'amitié-là, elle doit être vraiment saine. Elle va déclencher la communication et tout le reste. Et par la communication, déclencher l'intercession et la prière l'un pour l'autre. C'est important. Un couple, vous rentrez du travail, vous devez savoir comment s'est passée la journée l'un de l'autre. C'est important. Comment ça va? Comment tu as passé la journée? Est-ce que tu as reçu quelque chose de la part du Seigneur, par exemple? Mais donc, comment s'est passée la journée? Il y a déjà, cette, il y a déjà tout. Voilà. C'est important. Trouver un temps vous pouvez être dans votre chambre, même s'il y a les enfants, prendre 5, 6, 10 minutes, 15 minutes pour échanger, pour savoir comment s'est passée la journée. Ça permet d'avoir la température. Si, par exemple, une femme qui sait que son mari ou un mari qui sait que sa femme a une journée difficile, soit à la maison ou au travail, même s'il lui vient avec sa pression aussi, chacun va ménager l'autre parce que chacun sait que l'autre a une journée difficile. voyez, oui, C'est important. Ce sont des bases. Oui. Ou simplement... Le fait de savoir que chacun a une journée difficile, ben vous allez vous mettre à genoux, vous allez prier pour recommander vos cœurs au Seigneur, pour enlever les fardeaux, le poids que vous avez dans le cœur. Simplement ça. Et le Seigneur va vous dégager, vous allez vous sentir libre et vous allez pouvoir commencer votre soirée normalement, avec vos enfants, sans pression, sans être en train de blâmer les enfants à tout vent, parce qu'il y a une pression dans vos cœurs. Et cette pression là, vous allez finir par la repercuter dans votre vie de couple. Donc voilà, frères et sœurs, quelques conseils que le Seigneur m'a mis à cœur de partager comment vivre un mariage glorieux. En pratique, ces passages bibliques-là, voilà une façon de les mettre en pratique. Voilà une façon de les mettre en pratique. De comprendre que ma femme, c'est une amie. Et une amie et une amie, on ne la blesse pas. On ne blesse pas les amis. Les amis se respectent on se respecte on a de la considération. Ouais, et on est soumis à la parole de Dieu l'un et l'autre. Selon qu'on l'a lu dans Éphésiens chapitre 5 à partir du verset 21. Donc ce sont ces bases là qui sont essentielles et dès que vous les posez, vous les avez dans votre couple, vous pouvez avancer et vous allez voir que le Seigneur ne va jamais jamais au grand jamais vous abandonner. Et vous allez voir que l'ennemi va tenter mais n'aura jamais l'occasion de rentrer pour venir détruire. C'est important. Pourquoi beaucoup de couples, par exemple, qui n'ont pas d'enfants, finissent par divorcer, avoir des tensions Parce qu'il n'y a pas d'amitié, il n'y a pas de communication, il n'y a pas de. Il n'y a pas ça. On s'est marié, par exemple, pour faire les enfants. Vous voyez Mauvaise vision. J'étais suis... je, je, épousé pour faire les enfants. Donc, j'ai épousé une pondeuse. Et dès lors que la motivation, c'était de faire les enfants, c'était ça la vision. Et que l'instrument de la vision est défaillant, ben. Le couple va en cacahuète. Donc, la base d'un couple, c'est la vision. C'est la vision, ne vous trompez pas. La base d'un couple, c'est la vision. Pourquoi on est ensemble C'est la vision qui va vous garder, c'est la vision qui va vous permettre de... La vision, c'est comme... La vision, c'est la destination, si vous voulez. Vous voyez, c'est la destination. Si je dis, je quitte d'un point A pour aller à un point B, à un moment, je vais avoir ma carte, je vais regarder ma carte et je vais me rassurer que... Par rapport à l'objectif ou à la destination que je me suis fixé, est-ce que je suis en train d'aller au bon endroit Si je me rends compte que je ne suis pas en train d'aller au bon endroit, qu'est-ce que je fais Je vais changer de destination, simplement. Vous voyez, donc c'est vraiment important. Quand vous comprenez qu'il y a une vision, quand vous comprenez qu'il y a un cap qu'on s'est fixé et que vous entretenez ce cap-là, ça permet de garder le couple. Et après, autour de cette vision-là, vous allez mettre autour tout ce qu'il faut, la prière, la communication, la méditation, l'échange, l'amour, euh, le partage des tâches, la gestion financière, la transparence financière. Voilà. Et qu'est-ce qui peut faire en sorte qu'un couple manque aussi de... Manque aussi de... C'est parfois, peut manquer d'être un couple glorieux. C'est que si vous avez entretenu le péché dans vos fiançailles, et que vous ne vous êtes pas repenti sérieusement en vous confessant sérieusement les uns les autres, l'un à l'autre, ça va causer des problèmes. Je m'explique. Vous étiez fiancés, le frère a trompé la soeur. Non, ça c'est d'abord loin, je ne vais pas d'abord loin. Vous étiez fiancés, vous avez couché ensemble avant le mariage. Quelle peut être votre conclusion si vous commencez à être, par exemple, un mari ou une femme qui voyage pour le travail ou pour l'œuvre du Seigneur, vous allez vous dire que si cette personne-là avait trompé le Seigneur avec moi à l'époque, alors que je ne suis pas présent, est-ce que la personne n'est pas capable de me tromper et tromper le Seigneur à nouveau Ça, ça peut créer de doutes dans votre cœur et créer un sentiment euh, de méfiance dans le couple. Et ça, ce n'est pas bon. Vous voyez Donc, le péché, si vous tombez dans le péché, pendant les fiançailles, ça va entraîner des choses dans votre couple. Et si vous ne les réglez pas sérieusement devant le Seigneur, que vous ne réglez pas ça sérieusement, ça va causer des problèmes. C'est pourquoi moi j'encourage toutes les personnes qui ont couché ensemble avant le mariage de vraiment régler ces choses-là, vraiment les régler, pas avec une repentance superficielle. On a un réglé ça devant le maire, devant la famille, devant dans le mariage. Non, de régler la source de ce péché-là d'aller ôter à la racine et de se rassurer que ça n'a pas laissé des rejetons dans les cœurs. Parce que si ça a laissé des rejetons, ça va être grave à l'avenir. Ou s'il y a eu infidélité dans le couple et que ça n'a pas été réglé, ben ça, ça peut causer des dégâts à l'avenir. Donc voilà, frères et sœurs, c'était ces quelques conseils là que le Seigneur m'a mis à cœur de vous, de vous partager, de vous donner pour que ça puisse servir à édifier quelqu'un. Ceux qui ne sont pas encore mariés, ceux qui sont mariés, ceux qui ont peut-être des problèmes dans leur couple, ceux qui ne savent pas comment sortir la tête de l'eau. Voilà quelques conseils que j'avais à vous donner de la part du Seigneur. Que le Seigneur vous garde, si vous avez des questions, vous pouvez nous appeler à notre numéro. Pour ceux qui nous regardent en ligne, vous pourrez laisser des questions sur le chat et on pourra y répondre, soit par un autre enseignement. Soit en répondant directement sur le chat. Que le Seigneur vous garde et vous protège et nous garde tous. Et à très bientôt pour un autre partage. Au nom de Jésus, Shalom.